Bon, bonsoir tout le monde. Je voulais juste faire un test d'un jeu un peu complètement fou. Et surtout, je voulais voir si ça marchait parce que pour la première fois, je stream sur ma tablette. J'espère que ça va pas bugger. On va voir. Je crois que vous n'êtes pas prêt pour le jeu. Alors j'espère que le son du jeu est pas trop fort. Ah, donc à partir d'aujourd'hui, Kyokara Konomachi de. Donc à partir d'aujourd'hui, dans cette ville, tu apprendras à devenir taximan. Regardez-moi ce jeu, ce patron véreux. Kyokara, Kimi ni wa kono machi de taxi driver toshite. Donc à partir d'aujourd'hui, dans cette ville, tu deviendras un chauffeur de taxi. Hajimete no kimi ni wa kuruma o norikoto sutu. Donc bah commence tout de suite par rentrer dans la bagnole et. Blablabli. Allez, on y va, on est des fous. Alors, vous allez voir, vous êtes vraiment pas prêts. Déjà, le taxi fait un bruit de Formule 1, on est d'accord? Alors, dès qu'on trouve quelqu'un sur le côté. Ah, voilà. Ah merde, je me suis planté de bouton. Excusez-moi, madame. Allez, viens. Bon, c'est là que tout commence, hein. Bon, pour ceux qui ont connu Crazy Taxi sur Dreamcast, on va dire que c'est un peu pareil en mode cheap quoi. En mode très très cheap. Alors mon taxi peut péter comme vous pouvez voir, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, premier arrêt. Eh ben ça marche bien le stream. Alors je sais pas comment on fait une marche arrière. Ah voilà. Le truc c'est un Fenwick quoi. Ah merde, j'ai pas eu le temps de d'aller la ramener. Elle va pas être contente là. Elle m'a même pas payé du coup. Bon, au Japon, on roule à gauche, hein, donc là je fais un peu méga nimp. Bon, le petit Tokyo est mignon, hein. Je sais pas si on est à Tokyo, mais. La modélisation et la conduite c'est complètement what the fuck, mais le jeu est mignon. On est sur PSP. Ah là. Allez-y, monsieur Tanaka. Vraiment le taxi fait un bruit horrible. Fait un temps parfait là.
Vous remarquerez que les chocs ne font pas peur à mes passagers. Ils en ont rien à foutre. Ah, on va arnaquer une petite mémé là, on va prendre les petits détours. C'est purement japonais ce jeu, hein, parce qu'à Paris ce serait le contraire quoi, il mettrait le plus de temps possible pour gagner le plus de thunes possible. Là c'est plutôt le contraire. Faut aller le plus vite possible. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde, je me dis là. Voilà. Merde. Ah, je crois qu'on peut pas aller par là. Mon patron est fier de moi. Donc lui, il doit aller à deux endroits. Merde. En voilà un premier. Il dit, attendez-moi un petit peu. Le prochain, je vais au... Au sous, je sais pas quoi. Ah, c'est juste à côté. Et voilà. Oh, j'ai gagné une pancarte. Coucou Apo. Je voudrais juste savoir si le son et l'image ça va ou si c'est pourri. Je stream avec la tablette, c'est la première fois. Allez, petite fille, tu as seulement 5 ans, mais rentre dans ma voiture. Nickel. Ah, bah cool. Bon, la caméra et tout, c'est pas terrible, hein, là. Ni l'endroit où je stream, hein, mais. Putain, je découvre ce jeu à peau, c'est n'importe quoi. Le son du taxi, mais il est horrible. Ah, mon patron est fier de moi, regardez. Il pourra manger des ramen avec un petit peu de gras ce soir. Ah, on est dans le quartier un petit peu de des magasins. Bon, bah, on se fait un max de thunes, non? Ah, oh là là, regardez. Oh putain, j'ai failli écraser mémé là. Est-ce que je suis le premier à streamer ce jeu sur Twitch? C'est possible. J'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment une copie dégueulasse de Crazy Taxi sur Dreamcast. Oh, j'ai gagné un... Je sais pas ce que c'est. Donc là, j'ai déjà gagné 11 000 yens. Mon patron me dit que ma conduite est très bien. Mon taux, comment dire, mon taux, ma conduite et mon taux d'horaire sont très bons. Ah merde! Non mais écoutez-moi cette marche arrière, quoi. Salut Gaston! Tu vas te dire,
Mais qui est cet oncle qui teste des jeux complètement dégueulasses que personne ne joue? Regardez-moi ces graphismes. C'est à vous, scotch. Je suis un petit peu en sens inverse, je crois, oui. Mais au Japon, on roule à gauche, hein. Voilà, comme ça. Bon, alors là, je trouve personne. Ah, voilà. Ah, c'est un curé! Rentrez, mon père, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Non, mais dans une vie antérieure, j'étais livreur de pizza à Tokyo. Aucun problème. Oh là, tiens, je suis déjà passé là tout à l'heure. Je connais. Ils en ont rien à foutre. Je peux rentrer dans les barrières. Je peux. Ah, il y a zéro dégâts. Hein. Olé. Ah, nous y voilà. De rien, mon père. Oh là! Oui, les dégâts sont assez dingues, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas savoir ce que fait ce curé avec ce jeune homme, par contre. Moi, je ne suis que là pour vous emmener. Faites ce que vous voulez après. Hein. Merde. Non, mais on dirait un Fenwick, on dirait un Clark quand je recule. Ok, premier arrêt. Et ils vont à la banque. Ah bah apparemment ils sont contents avec ça. Oh là là, je crois que j'ai fini. 12 000 yens les gars. Putain, ça fait presque 1000 balles. 100 balles, pardon. 100 balles en quelques minutes. Alors, il me dit que c'est mon deuxième jour là après. Attends, je vais faire une petite sauvegarde là, je peux pas. Voilà, si. Voilà. Alors, c'est quoi ça? C'est les options. Ça, c'est retour. Et ça, c'est les items que j'ai gagnés. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder. Je peux pas cliquer? Ça marche pas. Bon, on s'en fout. Nous, on va direct au deuxième jour. C'est quoi ça? Kasutamazu. Kastamazu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu que tu jouais à LOL tout à l'heure. Alors, figure-toi qu'il y a une grande nouvelle. Je jouais à LOL avec ta tante Apolline, qui s'est remis à jouer. Alors, ce qui est super cool. Mais du coup, elle repart à zéro. Et donc, du coup. Si, si, si! Alors, du coup, elle repart vraiment à zéro. Donc, du coup, il faut un peu lui. Hop là, merde. Attends, on va reculer, on va reculer. Il faut un peu lui réapprendre les bases, du coup. On fait plutôt quelques arames. Parce que sinon, bah, elle se fait maltraiter par la communauté adorable de League of Legends, tu vois. Merde. Allez, on prend à gauche en premier. Je vais avoir la musique dans la tête, mais je sens toute la nuit. Dans son c'est parti. Ouais, t'as bien raison. Faut jouer contre des bots, il faut prendre son temps. Faire des arames, c'est bien aussi, je trouve. Tu fais des arames, tu t'en fous des gens de toute manière. Ils sont juste là pour se fighter. Et au moins, tu découvres des persos aléatoires que t'aurais pas forcément pris.
Là où je suis content, c'est que mon vieux compte Berrichon, j'ai enfin réussi à le sortir du fer, quoi. J'ai mis un temps fou. Tu sais, c'est un vieux compte, je le donnais à l'époque à Sacha et Maxime, alors il était tout pourri, tu vois. J'ai mis un. Quand ils étaient tout petits. Donc j'ai mis vraiment un temps de fou à pouvoir le remonter au bronze. Moi, c'est que bronze, hein, c'est pourri, mais je suis content d'être sorti du fer déjà. Donc maintenant. Voilà. Prochaine étape, réussir à le mettre en argent, quoi. Je suis passé dessus aussi. Putain, vous me l'avez éclaté ce compte. J'ai souffert pour remonter. Tra, je suis vraiment époustouflé par ce réalisme de Tokyo. Et vous? Ah non, il veut pas rentrer. Ah. Heureusement que je me faisais pas classer quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais je pense que tes cousins ont fait des classés avec, hein, parce que j'ai vraiment galéré. Mais j'ai pas envie de le mettre à la poubelle ce compte. C'est pour ça que petit à petit, tu vois, je prends mon temps, mais je le remonte. En plus, il a plein de skins dessus. Oula, oula, oula. Allez, hop là, 600 yens. 600 yens, ça fait 5 euros. Oula, demi-tour. Ah! Il y a un plan! Putain, je viens d'actionner la touche. Ok, donc si je fais ça, il y a un plan. Et là, ça fait quoi, là? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est que ça. Même sans faire de ranked, les parties normales comptent pour la première fois. Ouais, exactement. Non, mais en vrai, j'ai aucun regret, hein. C'était cool de vous donner mon compte pour débuter. Maintenant, je suis trop fier de vous, quoi. Vous m'éclatez, vous êtes trop fort. Mais j'ai quand même bien repris, donc je suis content. Je joue beaucoup plus support qu'avant. Donc ça, c'est cool. Dans l'ordre, je dirais support, top, puis mid. Ah, ça, c'est clair. Il a dépassé le maître sur LOL. Ouah! Et aussi en taille. Hein. Il a dépassé dans le jeu et dans la vraie vie. Ah. Eh mais, c'est toi qui as eu des problèmes avec le prêtre. Tu veux que je t'emmène à la police, c'est ça? Ça manque de klaxon. Hein. C'est quoi ce truc rouge là? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, la map elle sert pas à grand chose. Hein. Elle est trop petite, elle est trop zoomée en fait. Ah, j'ai trouvé le klaxon! Ouais, grave, elle est vraiment à chier cette map. Tu sais Gaston qu'il y a un mode GTA 5 pour faire du vélo. Donc je peux connecter mon home trainer. Tu vois, j'ai un home trainer pour faire du Zwift. Je sais pas si tu connais. Pour faire du vélo comme un jeu vidéo. Et bien tu peux mettre maintenant GTA 5 et faire du vélo dans la ville, quoi. Et ça simule les pentes. Truc de ouf. Ah, non, elle marchait. J'ai découvert ça sur une chaîne d'un mec qui fait du vélo. Voilà.
Elle veut que je l'emmène devant la gare. Oula. Elle a un train à prendre. C'est en mode turbo là. Ça va devenir un hit ce jeu. Oh merde. Non! Quoi? Bah, j'ai même pas eu le temps de la poser, qu'elle est pas contente. Je crois que j'ai appuyé sur un mauvais bouton qui a fait que je l'ai fait dégager. Je crois qu'il a un bol de nouilles sec sur la tête, lui. On dirait des vieilles macaronis. Olé. Et là, c'est fini tes vacances, tu reprends, non? Merde. C'est la reprise demain? Trop d'accidents, donc puisque le jeu est super réaliste, le client part. Putain, mais t'as raison, c'est ça. Ah, t'as repris le mardi déjà. Hop là. Ah, c'est son frère, ça. Merde, je suis à contresens, là. Tu es le seul taxi pour qui autant de clients. Exactement. Allez, dégagez. Le mec, il est à contresens. Allez, oh putain, mais les effets de comment dire, de collision sont dégueulasses. Ouais, j'ai gagné des pneus. C'est quoi les trucs rouges? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y aller? Attends, je voudrais aller voir. C'est quoi les trucs rouges sur la carte là? Dans 10 secondes, c'est la fin, il dit. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est une voie sans issue. Non, non, mais t'as raison. Je suis en train de dénigrer le travail de programmeur. Ah bah il m'avait prévenu que c'était fini en 10 secondes. Wow. Putain la claque graphique que j'ai pris. J'en ai les yeux qui pleurent. Alors patron, vous êtes fier de moi? Alors aujourd'hui c'était encore une bonne journée. Tu es rentré. Shitei. Je sais pas ce que c'est. Nonaka courage, et tu pourras avoir plus de clients. Aujourd'hui, tu as eu des bonus. Nanana. Kuruma no Kia, je sais pas ce que c'est. Un petit peu de. Blablabla. J'aimerais bien qu'on puisse tuner la bagnole. C'est quoi dans les options? Non, c'est juste les musiques. Il faut une 3060 pour faire tourner ce jeu. Retracing. Oblige. Ah, on pouvait sauvegarder à l'époque. Je vais faire une vraie sauvegarde. What, 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 what? Attends, mais c'est quoi cette image? On peut avoir des missiles? Et des toupies disques? Mais grave, c'était quoi ce qu'on voyait là? Oh putain, il y a un système d'évolution du taxi quoi.
Attends, je peux lui mettre. Ah oui, c'est les objets que je gagne. Je peux lui mettre un aileron, quoi. Vas-y, je mets. Hein. Donc là, j'ai rien gagné, c'est ça. Je lui ai mis un taxi déjà. Bon, là, je crois que j'ai rien. Mais ça, c'est les pneus de base. Mais j'ai gagné des pneus tout à l'heure. Attends. Bon, les textures, elles arrivent même pas à charger tellement c'est moche. Ah non, c'est parce qu'ils l'ont caché. Ok. Ah voilà. Attends. Allez. C'est pas un taxi, mais un tank. Bon, là, j'ai rien. Mais what the fuck? Moi aussi. Ça me fait même pas mal aux yeux. Bon, je crois que j'ai que ça pour l'instant. Est-ce qu'on veut sauvegarder? Mais ouais, on veut sauvegarder, mec. Putain, c'est le taxi de Lorenzo, quoi. Ah non, j'ai pas mon aileron. J'ai dû faire une fausse manip. Bon, je crois que c'est. Ah putain, attends, si on appuie sur start, on a le plan de la ville, quoi. Y a quoi d'autre comme bouton? Donc il y a ça, on sait pas ce que c'est. Ouais. GTA, ils peuvent aller se coucher. Hein. Bon, bah c'était cool, hein. Donc le jeu s'appelle The My Taxi. Voilà, c'est sur PlayStation Portable. C'est un jeu, je crois, qui date de 2007. Attends, on peut pas redémarrer le... Hein, comment on fait? Redémarrer, émulation, redémarrer. Voilà, comme ça on va voir de quand date ce magnifique jeu. Oh, cette intro. Bah ça c'est sûr. Faut qu'on crée une hype dessus. On va en acheter des cartons entiers au Japon et on les revendra. Ouah, il pleut tellement fort dehors, je l'entends à travers mon casque, quoi. Je suis d'accord, les bitcoins c'est de la merde, faut acheter My Taxi. Alors, le jeu date de 2007. Bordel de merde, ça fait 15 ans quoi. 16 ans, si on compte cette année 2023. C'est fou quoi. Tu crois qu'il a fait quoi, Elon Musk? C'était le taxi. Mais grave! Ah, attends, est-ce qu'on peut avoir une démo avec un taxi tuné? C'est mon rêve pour finir ce live. Ah non, ils ont pas osé. Dis-moi ça qu'il n'y a qu'une seule carte. Ils ont osé, tu crois? Il n'y a pas plusieurs cartes. Il n'y a qu'une seule carte. C'est horrible. Bref. Merci Gaston d'avoir suivi ce live extraordinaire avec moi de jeux que personne ne connaît mais qui me font bien rire. Et bon courage pour demain. Et puis à bientôt. Ciao! Je reste un petit peu sur la zig quand même.